Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et jeudi, c'est lundi 8 janvier 2024. Et dans toute ces deux plateformes, il est déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous informer et tous les amis auditeurs nous sur toutes nouvelles et qui déjà fait actualité pendant la première partie journée mardi. Dans le micro, c'est toujours amis, on s'invite au merci Dieu, toute équipe là déjà mobilisée. Pour nous retransmettre et journal et gazette créole qui c'est journal midi et qui passait sur Radio Vision 2000. Mais bien avant et nous connecter avec staff nouvelle là, l'important pour nous capable remercier toutes les amis fanatiques et qui permettent le travail là possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration. Merci ou choisir plateforme ça pour informer ou. Merci pour fidélité ou à patience. Il est midi. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite aux côtés Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toute nouvelle. Quitte en Haïti, quitte le Bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 8 janvier 2024, mesdames, messieurs, go, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sorti journal à la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer dans le journal ça. Habitant dans Delma 19, levé jeune aïe matin, cadavre, 9 moun mouri, parmi yo 3 femmes, et puis cadavre boule dans zone. Premier élément, information, t'as fait quoi? Criminel, yo sorti l'autre côté, vient déposer cadavre ça yo là. La boule, c'est que la justice est arrivée identifier yo dans victime, yo d'après porte-parole, la police là, Gary Desrosiers. Pour pitié, 7 moun qui mouri samedi 6 janvier passé pendant yon attaque. Bandi Aksam qui a opéré dans Mariani, mené contre un chaloupe qui t'apprend les grissiers. Mais il y a 3 femmes qui étaient à bord. Tu vois ça, bandi a kidnappé d'après directeur exécutif plateforme nationale pour progrès droit mon nom Jackson Pierre Noël. La police arrivée libérée 2 et moun bandi a kidnappé dans Taba 25. Ben 2 femmes et ça parmi moun ça a gagné 2 femmes. Ben bandi a kidnappé dans commune Mackenley Rémy, c'est une présumée kidnappée. La police rive arrêté pendant opération ça. Agent Itagio mené d'après une note PNH là fait sauti. Finirait ancien député Libolaise a chanté samedi 13 janvier qu'a venu là la Kaya Sœur Salisienio, ancien parlementaire a été mort assassiné la Kaili na Kafou 24 décembre passé. Juge Alduniel dimanche a démetté mandat d'amener contre 32 anciens hauts fonctionnaires dans l'État parmi moun sa yo gagné ancien président Jocelyn Brivère avec Michel Martelly avec ancien premier ministre Jean-Marc Belrive, Laurent Salvador Lamotte, Joseph Jout, Gary Conille, Jean-Michel Lapin, Inex Jean-Charles Evans Paul ak Jean-Henri Seyan. Mais moun sa yo pat rive répondre semaine passée à convocation juge là mais k'ap mené enquête sur dossier corruption ak détournement bien public dans centre national équipement CNE. Ancien fonctionnaire sa yo juge la convoqué a dû présenter et dans cabinet juge là d'après président Mokrena Sadra ka Dieu donné pendant souligner magistrat instructeur là gagné instrument juridique et qui disponible dans mail pour forcer moun sa yo vini nan convocation sa yo. Association nationale greffier haïtien dénoncé agression physique qui fait un sous greffier Chavanne au data qui attaché dans cabinet juge instruction Walter Wisser Voltaire en bien c'est agent en sécurité commission nationale lutte contre drogue qui fait zak sa en bien fait ça arriver et zak la arriver fait 4 janvier passé pendant greffier a tap entré dans bureau à naga mandé commissaire gouvernement pour au prince pour mettre action publique en mouvement contre et agent sécurité sa yo et bien pour tentative assassinat avec commencement exécution et puis voie de fait dans cap haïtien commissaire gouvernement Charles Edouard Durand en fermé voie de passer à tipis bar restaurant pour atteindre à l'appui de une décision Savini après en bien deux et filles te vide dans espace là et puis côté yo te fiancé notre cap garder vidéo à côté et yo te mettez bag dans droite l'autre et puis gagner plus grand joueur histoire football allemand Franz Beckenbauer qui mourit
Missouri matin lundi 8 janvier ça. D'après ça, média allemand a annoncé champion du monde 1974 là mouri en 78 l'année en bien état santé ancien défenseur équipe allemand là était grave en pile pendant dernière semaine ça yo après te fin fait plusieurs opérations nan ke. Le te bouche n'a pour développement pour ça yo. Une fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Première partie journal là pour présenter le journal ça. Gain Benjoy Pierre qui a fait manœuvre technique. Et bien, dans le micro, c'est Lyon Kier Civil. Bonsoir Benjoy, bonsoir tout le monde. Une fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Première partie journal habitant de Delma 19. Levé juin à hier matin, cadavre. 9 mounes parmi eux, 3 femmes mourir boulées dans la zone. En bien, cadavre moun sa yo te viral sur les réseaux sociaux là depuis hier. Côté que, nous te kawe moun sa yo couché aligné et puis, gena yo pati nan koyo boucané et gena yo tout koyo brûlé net. Premier élément, information yo ta et fait croire. En bien, c'est l'autre côté moun sa yo rive mouri et puis, yo vin lagué. Koyo la et puis brille yo la police ak la justice terrivé identifié yo nan victime yo d'après porte-parole et PNH la Gary Desrosiers qui fait connait et gagné enquête qui déjà l'ouvri pour garder et joindre qui ça qui rivé fait et pendant situation en si la n'a retourné sous déclaration Gary Desrosiers yon titan après côté que nous pralé nan Mariani côté gè pou biti sept moun ki mouri samedi passé pendant yon attaque bandi kap opéré nan Mariani fait kont yon chaloupe ki t'a prêt à les grisier d'après directeur exécutif plateforme nationale pour progrès droit moun nan Jackson Pierre Noël fait konnen gen 3 femmes ki té nan ti voilier sa bandi yo kidnappé militan droit moun nan dil gego ki sauté par rapport avec la situation Mariani a vin pi grave pendant souligné bandi yo ki contrôlé Katisa depuis 2 mois en bien renforcé équipe yo pendant dernier jour sa yo an côté Jackson Pierre Noël nan micro David Lechard. Situation qu'a développé la Mariani depuis 2 mois, 7 juin, avant hier, côté que le chaloupe t'a sorti du côté de Carrefour, moi, ça y est, t'a pris en direction Grissier, nèg armé, yo ouvri coup de dame sur chaloupe ça, côté que en jour 7 moun qui a perdu la vie, plus moun qui mourit, c'est garçon qui y est, c'est que 3 filles dans chaloupe là, yo prend fille, yo mette fille dans un caille, et yo dit pas tuer yo. Après ça, yo te gè plan pou te voye fi yo ale, mais jusqu'à présent nous pas konnen nous même nan PNPDH, est-ce que fi yo toujours nan menèg yo, bien sûr pas toujours nan menèg, et enquête n'ap mené toujours. Mais pour garçon yo tue garçon yo tue yo comme quoi, yo met dans tête yo, c'est même équipe Guy Philippe là, t'a bien envahi yo, c'est dans ce sens-là que yo tue moun yo. Comme on dit, monsieur, yo te pensé c'est équipe Guy Philippe qui t'a venu, est-ce que ça t'a voulu dire tout que chaloup là, li pat gen ti moun la dan? Côté nan yo te yo tigè sou chaloup là, c'est à longue distance. Yo pas ka ouais effectivement si des timon avait si des timon parce que yo dans un milieu qui vraiment éloigné de chaloupe là ça fait un mais nèg la marinio était sous l'eau yo devait déplacer si nèg marinio pas déplacé et bien jusqu'à présent moi ça qui perd du la vie ouais pas perd du la vie mais nous même en PNPDH c'est vrai nous connaît depuis de janvier faut dire l'audio ATA il y a autour des situations hein. C'est vrai gain en pile les qui tombé nèg civil tout tombé tout la mitan yo mais jusqu'à présent la police pour capable de contrôle ça qu'a passé dans Mariani parce que tout monsieur yo à l'aise dans mon nom nous fait ça yo vrai au contraire yo volé yo pillé passé monde dans zone tout parce que prend machine monde yo entré dans base yo ensemble avec yo là juste ça se passé là yo renforcé gain un total de 27 nèg armé qui vient renforcer monsieur yo encore c'est que yo vient de plus force jusqu'à présent nous pour gagner information dans cette zone qui est sorti mais seulement information qui pour joindre nous pour faire connaître que nèg yo vient augmenter. Jusqu'à présent, nous, la police, pour qu'on ait assez de matériel, tout, c'est qu'on a côté carré les gueux, parce que, faut qu'au moins, il y ait un hélicoptère, pour qu'on soit capable de prendre le contrôle Mariani exactement. Mais comme nous faisons connaître, nous, là, c'est qu'on va joindre bout de sur nous, nous avons souhaité que, faut dire l'audio, nous capable de prendre contrôle de la situation. Dans le moment où on a parlé là, la situation devient vraiment compliquée, surtout pour l'insécurité alimentaire là. Parce que, on dit ça, jury, on glosse huile, tout le bagage, ça va tout monter en pile dans le grand sud là, malgré le dollar américain. La descente, et puis, pour du saillot, c'est monté à monter à cause de l'Ambeo qui prend contrôle zone non depuis 2 mois, 7 jours. Nous, dans la plateforme non, comme défenseur de la monde, nous demandons avec soi-disant autorité, assumer responsabilité, comme nous, gouvernement Ariel Henry, qui est en extérieur, parce que si le ministre de justice là, qui fait déclaration,
comme quoi territoire perdu, mais nous connaissons que nous même dans PNPDH, même genre au PC a frôlé ça, c'est pas territoire perdu, mais capable de discuter des territoires négligés que y'a, parce que autorité yo, c'est eux même qui poussent à alimenter gang. Au tap côté déclaration, Jackson Pierre Noël, qui c'est directeur exécutif plateforme nationale pour progrès, en trois mots, magistrat Kafouage de droit Pierre, bien confirmé, opération à la police à poursuivre dans Mariani, après, force l'audio était fait de retirer dans la zone pendant la période fédanienne, dans l'idée d'être capable de rérouer stratégie. Cependant, magistrat Kafouage, bien dénoncé, et communication qui manquait faite, et bon côté autorité policière, pour capable de rassurer habitants dans la zone, en côté, Jules Edouard Pierre avec Michel Xavier. Depuis le 1er novembre, on connaît la situation qui a commencé à enrayer et la police prend toute disposition pour lutter et intervenir. Nous avons perdu deux policiers au moins. La police a repensé stratégique et depuis environ 5 jours, la police a peut-être contrôlé l'espace-là avec un pire engagement de détermination. Nous voulons saluer courage, détermination, la police et toute une unité qui est mobilisée pour rendre la circulation normale, j'ai été initialement, même s'il y a un peu de problème pour y avoir. Géré, mais on a toujours dit par rapport à la sensibilité qui est sur l'information. Moi, par porte-parole la police, on a toujours dit les journalistes, essayez de communiquer avec porte-parole la police qui a une information qui est plus pertinente. Parce que la police va communiquer l'information sur stratégie, sauf que comme maire, Carrefour, moi, je me rends compte qu'il y a plus de machines. La police interdit que aussi traverser. Moi, on dit, nous, on a aussi patience pour la police faire ça, rien pour le faire. Dans la fin d'année, et gagner plusieurs syndicalistes, nous avons parlé à Kyo sous Onde Vision 2000. Ils ont expliqué dans le dernier jour de l'année, ils ont patrouillé la police dans l'espace-là, tellement qu'il y a une qui te dit non, la police t'a semblé abandonner l'espace-là. À partir de qui date la police reprend l'opération? Effectivement, en période ça, la police te fait en retrait, te guimant avec tes boulets, ou te guimant recommandations que tu fais, tu as repensé stratégie, bien intervention que tu as fait pendant une période, tu définis une période là, pas vraiment un résultat. On pense que y a des informations que nous ne connaissons pas, des informations la police par communiquer tout pour mettre la population en confiance, puis ça fait mieux à ça, la police n'aurait jamais abandonné. La police était à travers une période. L'idée a pas assez de résultats. Trois matériels, trois l'eau incendiés par les bandits. Donc la police est supposée rentrer à l'autre pour ses plans. C'est une vraie stratégie. On va communiquer ça avec nous parce que je n'ai pas dit accès à l'information sensible ça y a comme magistrat. Je n'ai pas accès à tout. Je vais continuer à demander au gouvernement, la police, en fait, que nous faisons avec l'autorité. Vous nous dites que le dossier qu'à froid, le dossier n'a rien, pas qu'à abandonner. Je vais lui demander que nous avons parlé avec la police. Et moi, je vais parler à la police pour lui faire des points de presse sur la situation en Carrefour pour nous sensibiliser sous décision la police prend. Par exemple, si la police dit circulation parfaite pendant une période, c'est pas que la police compte nous. Funérailles, ancien député Eli Blaise a chanté samedi 13 janvier qu'a venu là et qu'a sœur salésienne yo mais Eli Blaise est mort assassiné la Cali 24 décembre passé à magistrat Kafouage de droit Pierre annoncé et ensemble activité pendant et parmi eux une journée deuil à un mouvement mobilisation pour réclamer justice pour ancien député commune en une autre fois encore en coup de précision Jules Edouard Pierre. Dans l'histoire Carrefour, nous parlons d'un crime aussi abominable qui fait sur Carrefour, dans la dimension autorité, Blaise est représenté dans le symbole Blaise est représenté sur Carrefour. Ils ont entré, ils ont tué Blaise, la Kaeli, l'année du 24 décembre, et allé jusqu'à présent rien de côté. Blaise, directeur d'école, fondateur, ingénieur, gestionnaire, c'est parlementaire, figure emblématique sur Carrefour, la mairie, figure de la sa tradition, a mobilisé pour le rendre hommage bien mérité. Mais c'est plus bagaille n'a pas fait. Hommage à la cellule obligatoire, il aura bien lieu, mais mobiliser les énergies, les militants de Carrefour, la population de Carrefour, pour d'une seule fois, il y a de justice pour le député Blaise, c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Parce que aussi longtemps que le crime a été impuni, aussi longtemps que la sécurité Carrefour, aussi longtemps qu'AZ, magistrat de l'Église, entretenait nos tables, pas en sécurité. Donc, ne pas être devant Eli Blaise à l'âge, lui, pour parler pour ça, mais les autres Carrefour, il y a les armes pour tirer. On ne peut pas réfléchir, on pas dire non, mais nous ne sommes pas tirer. Malgré ça, dit criminel mon petit là pas pensé à tout passé glorieux Blaise à sa blessure pour Carrefour et tuer quand même. Donc je dis à faut que la justice, faut que la police dise ça passé, faut que Carrefour mobilise pour nous dire qui ça qui peut tuer député Blaise pour qu'elle mette Carrefour en sécurité. En plus de cérémonie hommage là, nous pouvons gagner une date pour ça. Bon, ça tape tout dit nous ni et ou parler de on marche ou de manifestation que population peut le faire dans les rues. Sous question marche là, c'est un peu
effectif, qui m'ont proposé ça, mais pour qu'on s'étonne effectivement. Par contre, nous avons dit, sur l'information, moi je viens directement des enfants de Blaise, c'est plusieurs de nous qui gagnent première là. Les funérailles auront bien lieu le samedi 13 janvier prochain sur les sœurs salésiennes. Le communiqué de la mairie sera publié plus tard, même tout bas, je vais me prévenir là, parce que c'est, ça, ça va être 15 minutes que nous confirmons avec famille, funéraire à fête le 13, et puis l'autre activité immédiate, tant qu'on journée de deuil, tant qu'on se donne hommage en sens culturel là, tant qu'on a besoin de réfléchir pour nous renommer en rue qui peut être Blaise. Blaise a été un monument que sa mémoire soit honorée en fonction de immensité et de bienfaisance et de construction, voilà, de bâtisseurs et Blaise représente au Carrefour. Au tapot de déclaration magistrat Carrefour Jude Edouard Pierre n'a pas tourné sur le drame ça qui passait dans Delma 19 côté habitant dans zone enlevé hier matin jeune cadavre 3 et 9 monde brûlé parmi yo 3 femmes un bien premier élément information yo t'a fait quoi c'est vini yo vine et il lagué cadavre yo là et puis mettait dit fait sous yo un bien la police avec la justice qui était dépêché et dans zone ça arrivé identifié et yo nan victime yo d'après porte-parole la Gary Desrosiers qui fait qu'on a une enquête à qui l'ouvre ce dossier, c'est la Gary Desrosiers. Effectivement, nous sommes capables de confirmer c'est 9 cadavres que le juge de paix a lui-même, aussitôt que nous informé de l'information. Et puis, nous dépêché patrouille au niveau commissariat allemand, accompagné du juge de paix qui constatait effectivement 9 cadavres parmi les 9 cadavres qui boulaient les 3 femmes parmi eux. Et c'est ça qui était en communication avec le commissaire Delma, qui était accompagné du juge de paix qui fait constat rapidement et la police scientifique est venue pour faire prélèvement. Nous n'avons pas arrivé à identifier toutes, mais il y en a une que la police a identifié. Alors pour le besoin de l'enquête, nous n'avons pas anticipé, mais pas plus de détails. D'après détails, nous avons dit, est-ce que c'est dans la zone et qu'il n'a fait ou bien la information qui fait quoi, c'est vite mettre, vous mettez dans la zone. Ça, c'est vous qui avez comme information, et c'est vous qui avez vu mettre dans la zone de ma 19, bon, qu'il y a là, qui sorti dans des autres zones. Et je nous l'ai, nous sous piste là, nous pas d'anticiper, et qu'un service d'investigation, commissariat Delma, lui-même, qui a fait travail par lui-même, automatiquement, il est mort d'homme, il y a la DCPJ, la direction centrale de la judiciaire qui recharge, du coup, service au DCPJ. Nous pouvons identifier qui côté et crime ça t'a fait, et puis il est venu avec quoi, comme on nous a ouvert la gueule là. Je nous l'ai, c'est-à-dire, les situations sont arrivées, il y a plusieurs informations, et capables de venir nous, et au niveau de la police, et à service d'investigation également à la DCPJ, pour que eux-mêmes, pour approfondir, enquêture et pour prendre l'ensemble d'informations sur la mi-venue pour capable traiter et pour capable faire lumière et pour capable remonter à des genèse situation ça. Mais est-ce que nous nous identifier pas gagner proche li famille et qui nous est entré en contact avec ou bien qui est entré en contact avec nous qui parle avec nous? Les gens ne nous pas anticiper, ne nous pas identifier pourquoi pas nous. C'est certain. Il y a des gens qui disent dans son sens qui identifient les gens de là encore. Parce que pas gagné, c'est lui qui boulait. Il n'a pas gagné de pièces dans les soyons du tout. Et nous capables de constater qui boulait, qui aligné sur la terre à travers les réseaux sociaux. Il y a des CPJ qui automatiquement est en charge. Nous nous identifier à son garçon ou bien fille? Et un garçon. On t'a coûté déclaration, porte-parole, PNH là, Gary Desrosiers, J.I. ainsi qu'on est un présumé bandit qui s'est même actif, yon gang qui relève 365 opéré dans Port de Paix, mais mourir week-end passé en échange coup de balle avec la police à Jocelyn Jolissin. J.I. qui est novembre en Makanda, t'as un présumé bandit qui tombé week-end passé à Port de Paix, qui c'est capitale département nord-ouest. Action ça passe la coupe, yon quartier cité Capoil la mort, non? Après soi-disant malfrat qui t'a même actif gang 305, qui est en base de Trois-Rivières, tout près de ville là, t'es décidé de boucanter coup de balle avec force radio qui pas hésiter, mais t'es dominant gel pour la vie. Institution policière là, dans le département, dit les plus que motivé pour continuer de traquer tout gangster sans foi ni loi qui gagne l'idée de troubler la paix publique dans le nord-ouest. Jocelyn Joly, Saint-Port de Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. N'a toujours été dans dossier insécurité. Côté la police nationale d'Haïti fait qu'on est libéré deux et monde bandit kidnappé pendant une opération et unité temporaire anti-gang UTAG menée samedi 6 janvier passé dans la commune dans Tabac 25 en bien Rémi McKinley, yon a présumé kidnappé yo, la police rivé arrêté et puis saisi tout yon zame côté que et force de Dieu pas rivé bail qui qualité zame ça en bien deux victimes.
victimes yo, yon se yon fille 57 l'année, bon tout deux victimes se deux filles mais yon yon qui 57 l'année, mardi yo kidnappé et puis séquestré mardi 2 janvier et passé dans tabac 25 mais c'est bandit qui t'a circulé sous moto qui rivé faire action ça ben et yo rivé faire ça pendant en victime yo tap rentré la caillou d'après ça nous lit sous page Facebook la police nationale d'Haïti yo té trois monde qui était en dans yo machine deux et filles avec un petit garçon et dans moment et bandi yo té by l'autre yo té camper machine et puis forcer ti nèg la descendre et puis kidnapper deux filles yo d'après premier élément information la police dit gagné kidnapper yo té déjà réclamé dans mes familles victimes yo yon rançon de $600,000 américains pour té libéré yo et gagné juge Aldunier dimanche qui mettait mandat d'amener contre 32 anciens hauts fonctionnaires l'état d'après ça nous apprendre parmi monde ça gagné ancien président Joslair Mbriver avec Michel Joseph Martelly et puis tout gagné ancien premier ministre Jean-Marc Sabelrive Laurent Salvador Lamotte Joseph Joute Gary Conny Jean-Michel Lapin et ex Jean-Charles Evans Paul avec Jean-Henri Seyant en ben monde ça yo pas répondre semaine passée à convocation juge la Tefeyo dans cadre un dossier corruption avec détournement bien public dans centre national équipement CNE mais juge Aldunel dimanche Tadoué et tendez journée lundi ça ancien premier ministre Claude Joseph Jacques Edouard Alexis avec ancien député Charles Chancy dans cadre de dossier ça mais il était déjà tendez semaine passée à pour 8 deux anciens ministres travaux publics n'a parlé là de Wilson Edouard avec Analder Joiseus et puis yo ancien sénateur et pays d'Haïti ancien fonctionnaire ça yo et juge l'a convoqué doit aller devant là d'après président Mokrena Sadrak a dû donner pendant le souligner magistrat instructeur avec un instrument juridique dans main là pour forcer intéressé à répondre convocation ancien député Sadrak Dieudonné dit pas comprendre pour qui ça mais toute parole en pile ça yo zaka action juge instruction absolvé en dans société à en côté Sadrak a dû donner le micro David Lechard nous Mokrena comme parti politique mais pour l'application de la loi parce que c'est ça qui fait un pays c'est l'application de la loi pour nous même qui sommes parti politique d'inspiration chrétienne nous connaît Jean de Vladimir la justice élève une nation mais l'injustice elle arrête le peuple si le juge là le juge dimanche lui convoqué c'est son convocation pour un citoyen présenté devant lui quel que soit l'erreur ou de gagner dans le passé et quel que soit l'erreur que vous gagnez présentement, c'est vous présenter devant le juge-là. Si vous refusez de présenter devant le juge-là, eh bien, la loi, lui, baille à juge-là, prérogative, pour lui contrôler, pour présenter devant lui. Donc, on va dire que ça, nous, on n'a aucune justification dans la bataille ça. On n'a pas mis de persécution politique, on n'a pas mis de ci, on n'a pas mis de ça. Nous, on veut que vous présentez devant le juge-là. C'est ça qui fait au pays marcher. Donc, nous n'avons pas capable de gagner un abus. Ça fait, c'est convocation, répondre à convocation. Si d'aller répondre à convocation, juge avec contre nous, eh bien, que cela soit. Député, dans le même cas de dossier, ça, il y a des gens qui estiment que le juge l'a allé trop vite, ou d'avis? Le juge a pas donné, c'est de la prendre les personnes là. C'est lui-même qui est non, mais c'est lui-même qui capable d'apprécier et c'est lui qui doit apprécier. Toute question que vous pouvez poser, est-ce que Julia est dans les limites de la loi? S'il est dans les limites de la loi, il a l'air le fait pour prendre en main personne. Là, je retourne avec le dossier, mais tout le monde dit, Julia a donné ce dossier-là, Julia n'a pas fait ceci, Julia n'a pas fait cela. Quand on avance avec le dossier, nous nous disons qu'il est allé trop vite, il est allé trop rapide. Mais finalement, il faut que nous connaissions qui est et nous, nous avons un avocat et tout. On est équipé à l'avocat, c'est travailler, parce que tout le monde est dans le cas. Voilà, ta coup de déclaration, ancien député Gonaïve là, Sadrak Dieudonné. Association nationale greffier haïtien dénoncé agression physique qui fait contre greffier Chavan Odat, qui est attaché dans le cabinet juge instruction Walter Wesser Voltaire, mais c'est agent sécurité Connal Dieu qui fait Zaksa, c'est arrivé fait 4 janvier passé, à qu'on a un moment, Chavan Odat tape rentré dans le bureau li, à Nagba, des commissaires gouvernement pour le prince Lan, pour mettre action publique en mouvement contre agresseur, mettre Chavan Odat, pour tentative assassinat avec commencement d'exécution. Et puis voie de fait, président situation Martin Henné annoncé un autre bord, il a poursuivi grève, griffillon dans toute juridiction Martin Henné. Anak, nous mettons une bonne de grève
que nous avons lancé depuis le jour qui était mardi 12 décembre 2023, dans l'idée pour démontrer avec autorité ou nécessité pour être capable de répondre avec les principales revendications. Mais c'est bien malheureux que nous-mêmes qui pas souhaité rentrer dans la grève, et nous avons pensé que pendant le ministre a traité dossier, si tu es commissaire gouvernement, il a tout traité dossier greffier ou tout. Mais c'est bien malheureux que l'autorité n'a pas trouvé ça de bon oeil, que vous traité dossier commissaire ou pas traité dossier. Bon, on est obligé de mettre une grève là, juste pour être capable de montrer une nécessité pour être capable de pencher sous dossier greffier pour répondre avec majorité revendications que nous avons devant nous depuis l'année 2017 et que nous avons deux accords ensemble avec eux en 2017 et 2019. Nous souhaitons que pour réussir ce métier en application. Et nous ne connaissons pas tout ce qui concerne l'argent parce que nous avons une publication statut greffier dans le journal Les Moniteurs, nous pensons qu'ils sont capables de faire. En plus, tout, nous avons dit qu'il n'y a pas de moyens, mais nous voulons que ce n'est pas vrai parce que je dis, nous avons pas ici. Le commissaire gouvernement a 40 000 gouttes sous 4 DDB, il y a une indemnité de salaire bien entendu, et il y a un carburant, il y a un cadre téléphone. Et là, nous-mêmes, nous demandons tout pour nous pencher sur le camion, tout parce que greffier, la loi fait la même exigence avec le magistrat. Nous souhaitons que pour nous finir avec sacré les discriminations qui gagnent dans l'appareil judiciaire à l'égard des greffiers commis par quai. Et je dis, la grève, ça, nous avons fait là, son grève n'a fait contre discrimination. Et nous croyons que depuis que nous mettons bout de la discrimination, l'appareil judiciaire, la capacité à bien fonctionner.